بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازال الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل في حقهم في كتابه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Donc nous continuons d'évoquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux dont Allah azza wa jal a dit dans son livre, dans le sens du verset: parmi les croyants il y a des hommes qui ont été véridiques dans leur engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont atteint leur but et d'autres attendent encore. Ils n'ont nullement changé. Wa yaqulu Allah azza wa jal aydan fi haqqi as-sahaba: laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara. Certes, Allah a agréé les croyants lorsqu'ils te prêtaient serment sous l'arbre. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. Dans l'autre verset, Allah fait la description des compagnons qui ont été même décrits dans les livres précédents, c'est-à-dire dans l'Évangile et dans la Torah. Il dit: Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire ses compagnons, sont durs envers les mécréants et sont cléments entre eux. Il dit: tu les vois prosternés, inclinés, leur exemple dans la Torah et c'est des adorateurs dont le signe de la prosternation se voit à leur face. فهؤلاء الرجال المذكورون في هذه الآيات هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه. Ce sont donc les compagnons qui sont cités dans beaucoup de versets, dans innombrables versets dans le Coran. Allah Azza wa Jal fait allusion aux compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, ceux qu'Allah a choisis parmi les hommes pour être les compagnons, pour être autour de son envoyé et de son messager, ceux qu'Allah il a choisis pour faire triompher et propager sa religion. فحبهم حب الصحابة دين وإيمان وإحسان. L'amour des compagnons fait partie du dogme de la foi du croyant, fait partie de la bienfaisance et de l'excellence. ولا سبيل إلى محبتهم إلا بمعرفة سيرتهم. Il n'y a aucun chemin pour pouvoir aimer الصحابة si ce n'est de connaître الصحابة. Celui qui ignore الصحابة, comment il peut prétendre aimer as-sahaba radiyallahu anhum. Fala budda lil muslim an yata'allam
وأن يقرأ من سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليقتدي بهم وكذلك يذكر قصصهم لأطفاله ولأولاده وذريته حتى يكون لهم يعني أمثال وأسوة. Également, le fait de lire la vie des pieux prédécesseurs de manière générale et Sahaba de manière particulière permet de les prendre comme modèles, de vouloir les imiter, de suivre leur chemin, et également de raconter leurs histoires qui sont de véritables histoires des héros qui vraiment ont existé, de les raconter à ses enfants, de les raconter à sa progéniture afin qu'ils aient des modèles et de vrais modèles et non pas simplement comme on voit malheureusement pour la plupart leurs enfants, ils ont des gens imaginaires, des gens inventés et ils vivent dans le mensonge. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع رجل من هؤلاء الرجال وصحابي من الصحاب الكرام وهو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. Donc le compagnon de ce soir, donc un des hommes qui était autour de l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم est عمرو بن العاص. فكان يكنى بأبي عبد الله أو قيل أبي عبدي أو أبي محمد. Ce compagnon عمر بن العاص, il était connu sous la kunya de Abu Abdillah. Ou bien certains ont rapporté qu'il était connu également sous le nom de Abu Muhammad. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى والله النبي عليه الصلاة والسلام على جيش ذات السلاسل. الإمام البخاري, il dit que le Nabi alayhi salatu wassalam l'a désigné chef, yani pour l'armée, lors de la bataille des chaînes, as-salasil. Wa nazala al-Madina thumma sakana Misr wa biha mat. Bal yani huwa awwal man fataha ash-Sham. Ce compagnon, donc il est venu à Médine à sa conversion, il est resté un moment jusqu'à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il a participé à la conquête du Sham, c'est du nord de l'Arabie, ce qui correspond à notre époque à la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban et même une partie de l'Irak. Toute cette région, ça s'appelle à l'époque la région du Sham. Ensuite, il s'est orienté également vers l'Égypte actuelle, Misr, où il a résidé et c'est là-bas qu'il est mort. فَنَتَحَدَّثْ عَنْ إِسْلَامِهِ ومناقبه ومواعظه. Donc nous allons évoquer sa conversion à l'islam, certaines parmi ses vertus et ses qualités, et ensuite on clôture en évoquant certaines recommandations de ce compagnon رضي الله تعالى عنه. فأما إسلامه فقد ثبت في الحديث أن عمرو بن العاص لما يقول لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق يعني وكان مشركا في ذلك الوقت جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني. هو يحدث لنا كيف أسلم وكيف جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il va raconter Amr ibn al-As sa conversion à l'islam. Ici il va évoquer des passages où il était encore polythéiste. Il dit lorsque nous avons fait demi-tour, nous sommes revenus de l'Ahzab, la bataille des coalisés. Il y a même surat al-Ahzab, la surat des coalisés, car tous les kuffars s'étaient unis et coalisés pour combattre al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et c'est également la bataille connue comme étant la bataille des tranchées ou bien des fossés, car al-Nabi alayhi salatu wassalam avait fait des tranchées et des fossés tout autour de Médine afin d'empêcher l'ennemi de rentrer dans Médine. Il dit, j'ai réuni autour de moi certains hommes de Quraysh auxquels j'avais une estime et ils écoutaient mes propos. Il y a des gens qui le suivaient, qui le respectaient. Il les a réunis. فقال لهم تعلمون والله إني لا أرى أمر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور علوا كبيرا. Donc il a réuni, on va dire, ceux qui étaient vraiment ses partisans d'entre les Quraysh. Il leur a dit, vous voyez par Allah que l'affaire de Mohammed, donc là il est encore polythéiste, monte de jour en jour, monte énormément, augmente.
وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. Il dit, j'ai pris une initiative, j'ai un avis, je veux vous le faire partager. Je veux connaître vos raisons également, votre avis et ce que vous en pensez. قالوا وما رأيت. Ils ont dit, quel est ton avis? قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده. Il dit, moi je propose que l'on quitte la Mecque et l'on se rende en Abyssinie, chez An-Najashi. Et on reste chez lui. فَإِنْ ظَهَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى قَوْمِنَا كُنَّ عِنْدَ النَّجَاشِ. Il dit, si Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il réussit à avoir le dessus sur notre peuple, alors nous on sera à l'abri puisqu'on sera en Abyssinie. فَإِنَّا أَنْ نَكُونَ تَحْتَ يَدَيْهِ أحب إلينا من أن أكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم. Il dit, être sous l'ordre de Najashi, donc le gouverneur, celui qui dirigeait l'Abyssinie, est meilleur et plus aimé pour nous que d'être sous l'emprise de Muhammad صلى الله عليه وسلم. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا. Et si notre peuple réussit à avoir le dessus sur lui, alors nous sommes ceux qu'ils connaissent. فَلَنْ يَأْتِينَا مِنْهُمْ إِلَّا الْخَيْرِ. Il n'y a que le bien qui viendra de leur part envers nous. فَقَالُوا إِنَّ هَذَا الرَّيْ. يعني إِنَّ هَذَا لَرَيٌ جَمِيلٌ. Ils ont dit, ça c'est un vérité, ça c'est un avis bien pensé. Et ce compagnon est connu pour être très intelligent, surtout dans le domaine de la guerre. Celui qui lit, ceux qui ne sont pas musulmans, ils ont tiré certains enseignements dans les stratégies de guerre qui sont étudiés même dans notre époque, telles les batailles de Amr ibn al-As et de Khalid ibn al-Walid. C'est leur stratégie, leur intelligence dans les guerres sont même étudiées chez ceux qui ne sont pas musulmans, et ensuite ils les utilisent contre les musulmans. Wallahu al-musta'an. Faqal faqultu lahum, il dit, je leur ai dit, fajmi'u lahu ma yuhda lah. Il dit, nous allons réunir ce que l'on va lui apporter comme cadeau. وكان احب ما يهدى اليه من ارضنا الادم. الى la chose qu'il aimait le plus qui vient de notre région, c'était l'udum, c'est une sorte de nourriture. فجمعنا له ادما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه. Donc ils ont réuni énormément pour lui accorder un beau cadeau, et il dit, nous nous sommes rendus chez lui. فوالله إنا لعنده إذ جاء عمر ابن أمية الضمري. Il dit, comme nous sommes, au moment où nous sommes arrivés chez lui, voilà qu'il y avait Amr ibn Umayya al-Damari, un des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé afin d'avoir des nouvelles de Ja'far et des compagnons qui avaient fait l'émigration en Abyssinie. Faqal fadakhala alayhi thumma kharaja min 'indih. Donc il a dit, on l'a vu rentrer chez Najashi, l'a accueilli, ensuite il a fait demi-tour, il est sorti. Faqultu li ashabi, ila Amr ibn al-As, il dit à ses compagnons, hada Amr ibn Umayya. لو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه. Il dit, voilà Amr ibn Umayya, qui était de leur peuple, mais pour lui c'est un ennemi. Il dit, vient de rentrer chez Najashi et il vient d'en ressortir. Je vais demander, qu'est-ce que vous en pensez si je rentre et je demande à Najashi de nous le donner, de le capturer et de nous l'accorder afin de le tuer. فإذا فعلت ذلك رأت قريش أن قد أجزأت عنها حين قتلت النبي عليه الصلاة والسلام. Donc il dit, lorsque je fais cela, فإن فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها. Si on fait cela, on réussit à le faire, alors les Quraysh vont penser de nous du bien. Ils vont penser qu'on a rendu les coups de Muhammad صلى الله عليه وسلم, en particulier le jour de Badr. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. Il dit, je suis rentré chez lui et je me suis prosterné comme j'avais l'habitude de le faire. Car Amr ibn As, il avait une infinité avec Najashi. Yani il le connaissait, lui rendait visite. Même au début de l'islam, il avait été, yani lui rendre visite afin de renvoyer tous les musulmans qui faisaient l'immigration vers sa terre. فقال مرحبا بصديقي. Il lui dit, Donc,
Bienvenue à mon ami. Ahdaytali min biladika shay'an. Ils disent que tu m'as apporté quelques bienfaits de ton pays, yani de la Mecque. Qultu na'am ayyuha al-malik, qad ahdaytu laka uduman kathiran. Donc il lui a dit, bien sûr, on t'a apporté beaucoup de udum, c'était ce qu'il aimait le plus. Thumma qaddamtuhu ilayh, fa'ajabahu washtahah. Et on lui a présenté donc cette nourriture. Donc l'udum, c'est du pain avec une sauce. Dire le pain, il est coupé en morceaux, il est mélangé dans une sauce et il est mangé. C'est ce qui ressemble le plus à ce plat yani, qui existait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a aimé ce plat, il l'a même désiré, il a convoité, il en voulait. Thumma qultu lahu, et je lui ai dit, ayyuha al-malik, oh le roi, inni ra'aytu rajulan kharaja min indik. J'ai vu un homme sortir de chez toi, wa huwa rasulun aw rajulun aduwwun lana. C'est un messager. C'est Rasul Rajulin Aduwilana, c'est un messager d'un homme qui nous est ennemi. Yani le Nabi alayhi salatu wassalam. Fa'atanih liaqtulah. Il dit, accorde-le-moi, fais-le prisonnier, afin que je puisse le tuer. Fa'inu qad asaba min ashrafina wa akhiyarina. Car cet homme, yani le Nabi alayhi salatu wassalam, il a touché, il a atteint parmi nos notables et parmi les meilleurs d'entre nous. Qal fa'radib. ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة فظننت أنه قد كسره. Il dit, il s'est mis en colère. Il a levé sa main et il s'est frappé à son nez au point où j'ai pensé qu'il allait casser son nez. فلو انشقت للأرض لدخلت فيها فرقا منه يعني خوفا منه. Il dit, si la terre pouvait avoir une tranchée dans la terre pour que je puisse pénétrer, tellement j'avais peur de lui. Il a vu comment il était en colère. Thumma qultu ayyuha al-malik, et je lui dis, oh le roi, wallahi law dhanantu annaka takrahu hadha ma sa'altuka ma sa'altuhu. Il dit, oh roi, wallah, si je pensais que tu allais le prendre comme ça, tu allais détester ce que je viens de dire, je ne t'aurais pas demandé cela. Faqala lahu atas'aluni an u'tika rasulu rajulin ya'tihi an-namus al-akbar. Il dit, tu t'imagines pas que je vais te donner le messager d'un homme que Namous, yani c'est Jibril alayhi salam, que Jibril, l'ange yani important, vient lui rendre visite. Je vais te donner un homme qui est le messager du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi kana ya'ti Moussa li taqtuluhu. Il dit, afin que tu puisses le tuer, et ce Namous, yani Jibril alayhi salam, venez voir également Moussa alayhi salam. فقلت أيها الملك أكذا أكذاكه. Ils disent qu'il est vraiment ainsi. فقال, donc ils lui disent que vraiment c'est un messager. إلى الملك, ce roi lui dit, ويحك يا عمر, malheur à toi يا عمر, أطعني واتبعه. Il dit, écoute-moi, obéis-moi et suis-le. Suis يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه والله لا على الحق. Il dit, par Allah, il est sur la vérité. ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. Il dit, par Allah, il aura le dessus, il apparaîtra sur ceux qui vont à l'encontre de son enseignement, de ses ordres, tout comme Moussa alayhi salam a eu le dessus sur Pharaon et sur son armée. Le Nabi alayhi salatu wassalam yaqulu dhalika fil hadith. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui-même, il dit cela dans le hadith. Wa ju'ila as-sagar wa ad-damar 'ala man khalafa amri. Nabi alayhi salatu wa sallam dit, la destruction, la perte a été prescrite à celui qui va à l'encontre de mon ordre, yani de mon enseignement. Wa qala Allahu azza wa jal, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Que prennent garde ceux qui vont à l'encontre de son enseignement, de ses ordres, c'est-à-dire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'une épreuve les atteigne ou bien qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. والفتنة في الآية قال الإمام أحمد يعني النفاق في القلب زيغ القلب والعياذ بالله لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. La fitna dans le verset, c'est la déviation du cœur. Qu'une épreuve les atteigne ou bien un châtiment douloureux ne les atteigne. L'imam Ahmed, il dit, l'épreuve, c'est que ton cœur il dévie, car les cœurs sont entre les deux doigts du tout clément, il les tourne à sa volonté. فقلت فبايعني له على الإسلام.
Et là, Amr ibn As dit, je te fais allégeance que je vais accepter l'islam. قال نعم فبسط يده وبايعته على الإسلام. Il a mis sa main et je lui ai serré la main en acte d'allégeance qu'il va accepter l'islam, qu'il va se convertir et suivre son conseil et suivre le Nabi عليه الصلاة والسلام. ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه. يعني تحول تغير. كتمت أصحابي إسلامي. Il dit quand je suis ressorti, mes compagnons avec qui il était venu de la Mecque l'attendaient. Il dit, je leur ai caché ma conversion. Il ne leur a pas dit, moi j'ai accepté son message. Il a caché cela, il n'a rien dit. ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم. Il dit ensuite, j'ai quitté donc Al-Najashi, l'Abyssinie, et il est reparti en direction du prophète alayhi salatu wassalam afin d'accepter l'islam et de se convertir. فقال فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة. Il dit, j'ai rencontré en chemin Khalid ibn al-Walid. Alors, c'était aux avant, très peu de temps avant la conquête de la Mecque. Et lui aussi, il quittait la Mecque, il s'orientait donc vers Médine. Donc, ils se sont rencontrés. Faqultu aina ya Aba Sulayman. Il dit, où vas-tu, ya Aba Sulayman? Kunyata Khalid ibn al-Walid. La kunyata de Khalid ibn al-Walid. Wa qal wallahi, laqad istaqama al-munsimu. يعني تبين الطريق وإن الرجل لنبي. Il lui dit, la route est devenue claire, la voie est devenue claire et l'homme est un véritable prophète. أذهب والله أسلم. Il dit, والله je prends le chemin pour aller me convertir. فقال فحتى متى. Il dit, jusqu'à quand, يعني jusqu'à quand on va rester comme ça alors que c'est un véritable prophète. فقلت والله ما جئت إلا لأسلم. Il dit, par Allah, moi aussi, je suis venu que pour me convertir et accepter l'islam. فقال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع. Donc, quand ils sont arrivés à Médine, Khalid ibn al-Walid s'est présenté en premier. Il a fait l'acte d'allégeance au prophète عليه الصلاة والسلام et il a accepté l'islam. ثم دنوت فقلت يا رسول الله. Et je me suis rapproché et j'ai dit, ô messager d'Allah, إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. Il lui dit, je te fais acte d'allégeance à une condition, à la condition que tu me pardonnes ce qui est mes péchés qui sont passés, sans me rappeler ce que j'ai fait auparavant. Car ils avaient combattu, يعني النبي عليه الصلاة والسلام, ils avaient tué des musulmans, ils étaient يعني des mécréants qui combattaient, qui avaient de l'animosité, de la haine envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بايع فإن الإسلام يجب بمعنى يمحو يجب يمحو ما قام كان قبله. Il lui dit, يا عمر, ô عمر, accomplis l'acte d'allégeance, car l'islam efface ce qui le précède. وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا. Et l'immigration efface ce qui la précède. فَالَّذِي يُهَاجِرُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَمْحُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ أَلَّتِي مَضَتْ. Même celui qui fait l'immigration dans toute époque, sincèrement pour Allah et son messager, il accomplit cela sincèrement pour adorer Allah. Allah également lui efface ses péchés antérieurs. قال فبايعته ثم انصرفت. Donc je lui ai fait l'acte d'allégeance, ensuite je suis parti. ويقول ايضا في روايه لقصته, dans une version de son histoire, de sa conversion, il dit, يقول لما القى الله عز وجل في قلب الاسلام اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني فبسط يده الي. Il dit, quand Allah a mis l'islam dans mon cœur, j'étais satisfait de l'islam, je l'ai accepté, je suis parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui vouer allégeance. Et il m'a mis sa main vers moi, il a tendu sa main vers moi. فَقُلْتُ لَا أُبَايِعُكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى تَغْفِرْ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Et je lui dis, ô messager d'Allah, je ne te fais pas allégeance jusqu'à ce que tu me pardonnes ce qui est passé comme péché. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب. Il dit, ne sais-tu pas, ô Amr,
que l'immigration efface ce qui la précède comme péché. « Ya Amr, amma alimta anna l'islam yajubbu ma kana qablahu min ad-dunub. » Ô Amr, ne sais-tu pas que l'islam efface ce qui le précède comme désobéissance ?« Bal alladhi yuslim wa yuhsinu islamahu yaktubu Allahu azza wa jallahu yani hasanatahu al-madiyah » Même bien plus que cela, comme il cite dans d'autres hadiths, celui qui accepte l'islam et qui perfectionne son islam, Allah Azza wa Jalla lui considère même les bonnes actions qu'il a faites avant même de se convertir. Des choses qu'il a faites qui sont conformes à l'islam, des bonnes actions, même s'il ne les avait pas faites à la base pour adorer Allah, Allah Azza wa Jalla lui compte également comme bonne action. Bal yubaddilu sayyi'atihi hasanat. Il lui change même ses mauvaises actions en bonnes actions. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dans le verset Allah dit cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est le clément et le tout miséricordieux. فأما مناقبه, quant à ses vertus, فقد كثرت, elles sont nombreuses. أولا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالإيمان. Premièrement, le témoignage du prophète alayhi salatu wassalam en sa faveur de la foi. Wal iman al-martabatu al-thaniya min maratib al-din. Fa maratib al-din thalat. Al-islam wal iman wal ihsan. Al-iman, la foi, c'est le deuxième degré dans la religion. Car la religion, elle a des degrés. Il y a l'islam, il y a l'iman, il y a l'ihsan. C'est-à-dire, il y a la soumission, ensuite il y a la foi, ensuite il y a l'excellence. Al-islam, wa huwa an tuslimu lillahi bit-tawhid wal inqiyad lahu bit-ta'a. L'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah par l'unicité et de lui vouer obéissance. Wal-imanu a'la daraja. L'iman, c'est un degré supplémentaire. وهو النطق نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes des membres. وأما الإحسان فكما فسره النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان l'excellence, c'est comme le Nabi عليه الصلاة والسلام, il a cité dans le hadith de Jibril où justement il y a les trois degrés. Il dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. كذلك ثبت في الآية في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dans le verset, les bédouins ont dit nous avons eu la foi, l'iman. Allah dit dites nous n'avons pas eu la foi, mais nous sommes soumis. يعني c'est le début. Ensuite il y a le degré. وأما عمرو بن العاص فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. Ici, le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a témoigné de l'iman, de la foi. Yaqulu Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qala al-Nabi alayhi salatu wassalam, ibna al-As mu'minan, Amr wa Hisham. Il dit, les deux fils de l'As sont deux croyants. Amr, parce que Amr ibn al-As, et Hisham ibn al-As. Il dit, Amr et Hisham. Wa qala aydan Uqbat ibn Amir, قال صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. Il dit أسلم الناس, les gens se sont soumis, et عمرو بن العاص, lui il a cru, يعني le degré supplémentaire. والفرق يعني معروف بين الإسلام والإيمان, والقاعدة يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. Chacun connaît l'islam et l'iman sont différents. L'islam concerne en particulier les actes apparents, l'iman, c'est ce qui est intérieur. Mais lorsqu'ils sont cités à deux, donc chacun a sa définition séparée, comme dans ce hadith. Et lorsqu'ils sont cités seuls, ils veulent dire la même chose. Ils réunissent les deux points. وهذا يدل على يعني كذب ما يقول تقوله مثلا الشيعة للطعن في الصحابة واستعمال قصص Makdouba fi haqqi Amr ibn al-As. Ces hadiths répondent, par exemple, la Shia qui utilise des histoires inventées pour montrer que le Sahaba était mauvais, qu'ils se sont disputés, qu'ils recherchaient la dunya afin de les discréditer et de délaisser leurs enseignements et leurs voies et d'atteindre donc à la religion. Donc le but, c'est d'atteindre à la religion par l'intermédiaire des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam.
Ils inventent beaucoup d'histoires. Ils donnent souvent il y a Amr ibn As qui leur aurait menti, bien leur il serait venu pour tester quelqu'un, et après un des compagnons, après il l'a trahi, des choses comme ça, qui sont kadib. Nabi alayhi salatu wassalam, il témoigne qu'il a l'imam et que les gens ils ont l'islam. Les gens se sont acceptés la soumission, mais lui là, il est déjà dans un degré par témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. Yaqulu Amr ibn As, يعني في ما يدل على حبه للإسلام وعلى حرصه على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les actions, parmi ses vertus qui montrent qu'il aimait l'islam, qu'il aimait être à proximité du prophète عليه الصلاة والسلام, il dit بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Et un jour النبي عليه الصلاة والسلام m'a fait appeler. Il me dit خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. Il dit prends avec toi tes vêtements et tes armes, ensuite viens me rejoindre. فأتيته وهو يتوضأ. Et je l'ai trouvé en train d'accomplir ses ablutions. فصعد في النظر ثم طأطأه يعني صوبه فقال إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك الله وأزعب يعني أدفع لك من المال زعبة صالحة. في بعض الروايات قال زغبة بالغين, زغبة صالحة أو رغبة صالحة. Il dit donc, il était en train d'accomplir les ablutions, il m'a fixé du regard. Il m'a fixé du regard, ensuite il m'a dit, je vais t'envoyer avec une armée, et Allah te préservera, il t'accordera un énorme butin. Et je veux t'accorder beaucoup de ces biens-là. Et quand tu viendras avec le butin, je t'accorderai une part importante. فَقَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Je dis, ô messager d'Allah, مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ. Je ne me suis pas converti pour avoir de l'argent, pour avoir des biens. وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ. Il dit, j'ai accepté l'islam de me soumettre car j'aimais, je convoitais cette religion. وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et d'être aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا عمر نعم المال بالمال الصالح للرجل الصالح. يعني نعم المال الصالح للرجل الصالح. Il lui dit, يا عمر, quels sont bons les biens, la richesse qui est pure pour un homme qui est bon, pour un homme qui est vertueux. يعني que c'est bien qu'un homme qui soit vertueux en même temps qu'il ait des biens car il pourra faire le bien avec. ثالثا من مناقبه حرصه على التمسك والعمل بما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Son empressement à se cramponner, à appliquer et mettre en œuvre ce qu'il a appris du prophète عليه الصلاة والسلام. كان عمر بن العاص من أحرص الناس على التمسك والعمل بما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على ذلك. Parmi les exemples qui montrent cela, son empressement à s'attacher et à mettre en œuvre et à traduire en action ce qu'il a appris du prophète عليه الصلاة والسلام. سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن. وهنا يعني ملاحظة يعني في عمر يكتب العين ميم الراء الواو ويقرأ عمر والواو لا تقرأ. وضع العلماء الواو يعني للتفريق بين عمر وعمر. بعض الناس يخطي يقرأ مثلا عمرو كمثلا الداعي المعروف يقول عمر فلان, يعني هذا خطأ يعني في اللغة العربية, يقول عمر ابن العاص لأن الواو لتفريق بين عمر وعمر, وإلا لا تدري هل هو عمر أو عمر. يسي عمر une petite parenthèse, عمر سيكخى avec العين الميم الراء الواو. Et le waou ici ne se prononce pas, ne se lit pas. On ne dit pas Amrou. Il y a une personne qui est connue, donc ils font des prêches à la télévision, les gens ils disent Amrou. Ça c'est une erreur. On ne dit pas Amr, on dit Amr. Parce que le waou, les ulama ils l'ont rajouté au nom Amr pour le distinguer de Omar. Car Omar, sans les voyelles, s'écrit l'Ain Mimra. Et Amr, Ain Mimra. Donc on ne pourrait pas distinguer. Donc ils ont rajouté un waou afin de faire la différence. Donc, mais il ne se lit pas. فقال, donc il dit Amr ibn al-As, سمع رجلا يقرأ آية من القرآن.
il a entendu un homme réciter un verset du Coran. Faqal man aqraka aha. Il dit, qui te l'a enseigné? Qui t'a enseigné ce verset? Faqal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'homme il a dit, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Faqal Amr, faqad aqra'aniha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala ghayri hada. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me l'a enseigné, mais pas de cette façon. Il m'a enseigné avec une autre façon. فذهب إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما. Donc ils sont partis tous les deux trouver le Nabi عليه الصلاة والسلام afin de lui demander. L'un d'eux a dit au messager d'Allah آية كذا وكذا ثم قرأها. Il lui dit, messager d'Allah, le vers tel verset dans telle sourate, il a récité. فقال صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. Il dit, c'est ainsi qu'il a été révélé. فقال الآخر يا رسول الله فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أليس هكذا يا رسول الله قال هكذا أنزلت أيضا يعني هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. Donc il lui dit, l'autre il dit, messager d'Allah, le verset, il le récita, il dit, n'est-ce pas que c'est comme ça qu'il a été révélé? Il dit, c'est comme ça aussi qu'il a été révélé, يعني c'est comme ça, ça existe et ça, ça existe également. فقال يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر. Il dit, ce Coran a été révélé avec sept lettres, sept أحرف. On va expliquer c'est quoi sept أحرف. Par lequel vous récitez, vous aurez bon. Ne vous disputez pas à son sujet, car la dispute au sujet du Coran est une forme de mécréance. Se disputer au sujet des versets. Ils ont rapporté plus de 35 avis concernant le terme sab'at ahruf, sept mutamus, sept versions, sept lettres, la façon de réciter le Coran. والراجح من الأقوال كما قال الشيخ مناع القطان في كتابه مباحث في علوم القرآن. Il a vu le plus juste, يعني d'entre les 35 avis, il y en a même certains, ils ont dénombré 40 avis différents. Donc un parmi les contemporains qui est spécialisé ou qui fait les enseignements du Coran, dont il a un livre intitulé les sciences du Coran, il dit والراجح من هذه الآراء جميعا. L'avis le plus juste parmi tout cela, parce qu'il nous a tous cités l'un après l'autre, il cite l'avis le plus juste, il dit, هو الرأي الأول, c'est le premier avis. أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. Il dit, le sens de سبعة أحرف, c'est pas le qiraat, c'est pas les lectures. Il y a les façons de lecture, Warsh, Hafs, Bazar, Ibn Kathir, Shu'ba, إلى آخره. Ça, c'est des lectures du Coran. Et il y a l'ahrof, c'est, il dit, la vie le plus juste, c'est que l'ahrof sab'a, c'est cette langue parmi les langues des Arabes. Ça veut dire que les Arabes, plusieurs tribus, ils parlaient tous l'arabe, mais il y avait des différences. Il y avait des différences, il y avait sept langues, on va dire, de prononcer l'arabe. Fafaqal, donc ils vont utiliser chacun un mot différent, mais tous, ils auront le même sens. نحو il dit comme أقبل تعالى هلمة عجل أسرع. Il dit c'est comme وهذه الأمثلة مذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام استنبطها من حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح. Ici ce qu'il cite comme exemple, en réalité il l'a répété du hadith rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام, où il explique justement سبعة أحرف. Il dit comme le terme أقبل qui veut dire approche, viens. Ta'ala veut dire viens. Ajil veut dire viens. Halumma veut dire viens. Asri' veut dire viens. C'est chaque tribu à l'utiliser Aqbil, l'autre tribu utilise Ta'ala, l'autre tribu. Et donc le Coran, parfois, avait des différences. Donc il y en a, ils vont l'apprendre avec un harf, avec une façon de dire. L'autre, il l'a appris d'une façon. Donc parfois, ils vont dire, bah, moi j'ai appris comme ça et toi t'as appris comme ça. Les deux, ils sont. Kal'ihn al-manfouch, Quri'a kadalik, kassawfi al-manfouch. قراءة ابن مسعود هذه من اللغات,
parmi les langues dans, le, dans la récitation du Coran. Voilà, c'est le qira'at. À ne pas confondre avec le qira'at, les lectures du Coran. Comme Talan Warsh, ou Hafs. Comme ceux qui sont les plus connus parmi nous, c'est le qira'at Warsh, ou qira'at Nafi Hafs. La lecture de l'imam Warsh et la lecture de l'imam Hafs. Hafs, matana, fi surat al-Fatiha, yaqra, Malik yawm al-din. يعني يمد يعني مالك بعد الميم يضع يعني ألف مالك يوم الدين وورش لا يقرأ بالألف يقول مالك يوم الدين une des différences mettons dans surat al-fatiha dans Hafs il dit مالك يوم الدين après le ميم il met un ألف tandis que dans ورش il ne fait pas d'ألف il dit مالك يوم الدين ça le sens est le même et ça n'a rien à voir avec l'ahruf ça n'a pas de lien ça existe encore tandis que l'ahruf certains ont dit reste qu'un seul harf car ils avaient brûlé les autres mushafs de peur justement qu'il y ait la division et l'égarement dans la communauté. Al-Muhim Thaniyan min al-Amthila, parmi les exemples qui montrent également que Amr ibn As, min al-Amthila allati tadullu ala hirsihi wa tamassukihi bima ta'allama min al-Nabi alayhi salatu wa salam, parmi les exemples qui montrent sa façon de s'attacher à tous les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. يقول استأذن عمرو بن العاص على فاطمة فأذنت له فقال ثم علي قالوا لا فرجع. Un jour il a demandé permission à Fatima et elle lui a accordé permission. Il a dit est-ce que Ali est présent? Elle a dit non. Ensuite il a fait demi-tour, il est parti. ثم استأذنها أو استأذن عليها مرة أخرى. Ensuite il a redemandé permission. Il lui a dit à Thamma Ali, est-ce que Ali est présent? Qalu na'am. Ils lui ont dit oui, fadakhala alayha. À ce moment-là, il est rentré. Faqala lahu Ali, ma mana'aka an tadkhula hina lam tajidni hahuna. Et Ali lui dit qu'est-ce qui t'a empêché de rentrer quand lorsque tu m'as pas trouvé? Ali, tu aurais pu rentrer à la maison. Faqala Amr ibn As, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nahana an nadkhula ala al-mughayyibat. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit de rentrer chez celles dont les maris sont absents. Al-mughayyiba min al-nisa, yani ma ghaba anha zawjuha. Al-murad min al-ghayba, wan yakun, an la yakun fil bayt. Yakun ghaiban, yani an al-balda wa an al-makan. Donc quand le mari est absent, la femme, elle ne doit pas ouvrir personne qui doit rentrer. Même si c'est le frère du mari. Attends, il sonne, il dit, ouais, le mari n'est pas là, il travaille, bah, je vais juste rentrer, prendre, ou je vais l'attendre à la maison, parce qu'il fait froid dehors. Là, il y a juste. Il n'y a que les gens qui sont mahram qui peuvent entrer. Mais à l'asaf, tajid, il fait le mec. Dans la maison, le voisin, il rentre, il prend un café avec la femme, ils attendent le mari à deux, au chaud. Et le copain du mari rentre aussi, il boit 20 thé. Hada muharram, hada musiba. Musiba, hada mukhalif. Les kitab illahi wa sunnati nabi alayhi salatu wa salam. Wa laqad qala nabi alayhi salatu wa salam, iyakum wa dukhul ala nisa. Dans le hadith, il dit, prenez garde de rentrer là où il y a les femmes. Fa qala rajulun min al ansar, afara ayta al hamu, yani aqaribu zawj. Il dit, vois-tu Al-Hamou, yani les proches du mari, son frère, son cousin, son oncle, son... Faqal Al-Hamou Al-Maut. Il dit, Al-Hamou, c'est la mort. Rabi'an min manaqibihi, hirsuhu ala al-amri bil-ma'roufi wa nahi anil munkar. C'est qu'ils sont pressés d'ordonner le bien et de condamner le blâmable. Dakhala alayhi rajulun ma'a abdillah ibn Amr ibn As. Yani, dakhalu ala abih. فقرب إليهما طعاما فقال كل. Donc Abdullah ibn Amr ibn As, son fils, un compagnon également, est rentré avec un autre homme chez son père. Il leur a apporté de la nourriture, il a dit mange. فقال الرجل إني صائم. L'homme a dit moi je suis en état de jeûne. فقال عمر كل. Il a dit mange. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها وينهى عن صيامها وقال مالك وهي ايام التشريق. Car cet homme, c'était après la fête du sacrifice.
Donc les trois jours qui suivent la fête du sacrifice, il est interdit de jeûner. Ayyam al-Tashriq, le 11e, 12e et 13e de Dhul-Hijjah. Et cet homme, il avait jeûné, donc il lui a recommandé, il l'a réprimandé, il lui a demandé de manger, de rompre son jeûne. La nahiya ayyamu, qala alayhi salatu wassalam, ayyamu mina, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Dans le hadith, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit les jours de Mina, c'est-à-dire le 11, 12, 13 de Dhul-Hijjah, sont des jours de nourriture, de boisson et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال رضي الله عنه وهو على المنبر للناس قال لهم أما بعد هديكم من هدي نبيكم أما هو فأزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها فأرغب الناس فيها. Un jour il est monté sur le minbar, il a dit aux gens: هديكم من هدي نبيكم, votre voix ça doit être la voix de votre prophète. Quant à lui, c'était l'homme qui était le plus détaché par rapport à la vie d'ici-bas. Et vous, vous êtes les hommes, les gens qui sont les plus accrochés à la vie de ce bas monde. Wa qala radiyallahu anhu, laqad asbahtum wa amsaytum targhabuna fi ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yazhud fih. Et dit, vous vous réveillez au matin et vous vous couchez le soir en désirant ce que le Nabi alayhi salatu wa sallam ne désirait pas. Wa asbahtum targhabuna fi dunya. Au matin, vous vous réveillez en convoitant, en recherchant la vie d'ici-bas. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yazhadu fiha. Et le messager d'Allah s'en détaché. Wallahi ma atat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatun min dahrihi illa kana alladhi alayhi akhtar mimma lahu. Il dit, par Allah, jamais une nuit n'est passée au prophète alayhi salatu wa sallam sans que ce qu'il avait était moins important que ce qu'il devait accordé يعني aux gens. واما مواعظه فهي كثيره نذكر بعضها يعني في وهو في فراش الموت موعظه عظيمه. Une exhortation au moment où il est sur le lit de mort, lorsqu'il s'apprête à quitter الدنيا. فعمر بن عاص يعظ اهله ومن حوله من الناس وهو في فراش الموت. Donc il exhorte les gens, il leur donne, il leur fait une recommandation, une exhortation à sa famille et aux gens qui étaient présents. Lama hadarat Amr ibn al-As al-wafatu baka. Donc il pleurait au moment où donc la mort se présentait à lui. Dans les derniers instants de sa vie, il commençait à pleurer. Faqala lahu ibnuhu Abdullah, lima tabki ajaza'an min al-maut. Il dit, pourquoi pleures-tu, père? Est-ce que tu crains la mort? Qala la wallah, walakin ma ba'dahu. Il dit, non, par Allah, mais ce qui est après. Mimma ba'd al-maut. Yani imma al-janna wa imma al-nar. C'est-à-dire, imma soit le paradis, soit l'enfer. Faqala lahu, qad kunta ala khayr. Il dit, tu étais un homme de bien, tu étais dans le bien. Faja'ala yudhakiruhu suhbata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa futuhahu ash-sham. Il lui a rappelé qu'il était un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et également le fait qu'il a conquis la région du Sham. Faqala lahu Amr, tarakta afdala min dhalika kullih. Il dit, tu as délaissé, tu as oublié ce qui est bien meilleur que tout cela. Shahadatu an la ilaha illallah. Le témoignage de foi que seul Allah est mérite et digne d'être adoré. Inni kuntu ala thalatati atbaqin laysa fiha tabaqun illa qad araftu nafsi fih. Il dit, je suis passé par trois étapes successives et dans chacune je suis comment était ma situation. Kuntu, il dit, fa kuntu, j'étais en premier, awwala shay'in kafiran. Il dit, en premier j'étais un mécréant. Wa kuntu ashadd an-nas ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. J'étais un des plus grands ennemis, un des plus durs envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Falaw muttu hina idhin wajabat li an-nar. Il dit, si j'étais mort à cet instant-là, à ce moment-là, alors l'enfer me serait obligatoire. Falamma bay'tu an-nabi alayhi salatu wa salam kuntu ashadd an-nas haya'an minhu fama mala'at 'ayni min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ولا رجعته فيما اريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه. Et dit, ensuite j'ai cru, j'ai fait allégeance au prophète alayhi salatu wassalam,
Et j'étais parmi ceux qui avaient le plus de pudeur envers le prophète alayhi salatu wassalam. Jamais mes yeux n'ont pu convoiter complètement le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai même, yani par pudeur, il n'osait même pas le regarder, le contempler. Yani jusqu'à ce qu'il ait quitté ad-dunya et qu'il ait rejoint Allah subhanahu wa ta'ala. Falaw muttu yawma id, qala an-nas hani'an li amr. Et d'ici, j'étais mort à cet instant-là, les gens auraient dit, bonne nouvelle pour Amr. Aslam wa kana ala khayr. Famat farujiya lahu al-jannah. Les gens auraient dit, Amr était dans le bien, il est mort et on lui espère le paradis. Thumma talabbastu ba'da dhalik bis-sultan wa ashiya. Il dit ensuite, après cela, parce qu'il a vécu bien longtemps après, certains ont dit, il a aux alentours dans les plus de 80 ans, yani Amr ibn al-As. Donc il a vécu bien longtemps, il est mort, il était plus âgé que Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab était encore vivant, lui il a atteint vers les 80, il a vécu environ une quinzaine d'années après la mort de Omar ibn Khattab. Il dit si, donc il dit après cela, je me suis mélangé au gouvernant, yani à la lieutenance, aux responsabilités et à d'autres choses. فَلَا أَدْرِ عَلَى أَيِّ أَمْلٍ عَلَيَّ أَمْلِ. Il dit, je ne sais pas si cela est pour moi ou bien contre moi. Car après, il est devenu gouverneur. Il était celui qui a fait beaucoup d'ouvertures et autres. فَإِذَا مِتُّ فَلَا تَبْكِيَنَّ عَلَيِّ وَلَا تَتَّبِعْنِي مَادِحًا وَلَا نَارًا. Il dit, lorsque je meurs, alors ne pleure pas sur moi. Et ne me suis pas, yani, ni le feu, ni également celle qui font les lamentations, celles qui crient, celles qui pleurent et autres. فَإِنْ فَعَلَيَّ إِذَا شُدُّ عَلَيَّ إِزَارِي فَإِنِّي مُخَاصَمْ. Il dit, yani, serrez bien sûrement mon izar, yani, le vêtement donc, par lequel il sera comme son linceul. Car je serai yani, interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, mot à mot, c'est je serai en dispute. وَسُنُّ عَلَيَّ التُّرَابَ سَنَّ. Et jeter sur moi à la terre. فَإِنَّ الْجَنْبَ الْأَيْمَنْ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِالْتُرَابِ مِنْ جَنْبِ الْأَيْسَرِ. Yani, n'hésitez pas à jeter la terre, car mon côté droit n'a pas plus de droit à la terre que le côté gauche. وَلَا تَجْعَلَنَّ فِي قَبْرِ خَشَبَةً وَلَا حَجَرًا. Et ne mets pas sur ma tombe ni khashab, ni de bois, ni de pierre. فَكَمْ يعني مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُخَالِفُونَ هَذَا. Combien de musulmans vont à l'encontre de cela? يعني تنظر في مقابر أو مقطع مقبرة للمسلمين تجد فيه لا خلاف يعني لا فرق بين هذا والمشرك والكافر الذي قريب منه. Tu rentres dans le cimetière, le carré des musulmans dans beaucoup d'endroits, tu ne verras pas de différence entre la tombe du musulman et la tombe de celui qui n'est pas musulman. La seule différence c'est que lui il a la croix, l'autre il a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il crie sur là. Sinon c'est le même, يعني le même, la même pompe funèbre, la même personne qui a fait le marbre, la même personne qui a creusé, c'est le même, les mêmes choses, les mêmes fleurs, chez le même fleuriste, les mêmes écritures, les mêmes, c'est la même chose, la voix de ceux yani, qui n'ont pas suivi le Nabi alayhi salatu wassalam, wallahu musta'an. Faqal fa'idha waraytumuni, yani dafa'tum wa ramaytum at-turab, il dit lorsque vous mourrez, vous m'aurez bien yani, mis la terre, m'aurez enterré. فَقْعُدُوا عِنْدِي قَدْرَ نَحْرِ جَزُورٍ. Il dit restez auprès de ma tombe l'équivalent du temps de sacrifier un chameau. وَتَقْطِعِهَا. Et de la découper ou de la, pour pouvoir la partager. أَسْتَأْنِسُ بِكُمْ. وَهَذَا كَذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْجَالِسِينَ يعني حول القبر يجلسون ويدعون كل واحد بنفسه. يعني يطلب استغفار والتثبيت لأن الميت يسأل بعد الدفن يسأل مباشرة. Ça c'est une des sunnah, c'est que les gens après l'enterrement ils doivent pas discuter, rigoler, dire ah je le connaissais, je l'avais vu là-bas, ils discuter des choses futiles de dunya. Ils doivent normalement rester autour de la tombe. C'est pas quelqu'un qui vient et fait des invocations inventées, il fait des faux pleurs, après on doit lui glisser un billet sous la manche. Non, c'est que lui, les gens doivent rester autour, ceux qui veulent vraiment le bien pour le défunt, et de méditer sur la mort, et ensuite de faire également des invocations chacun soi-même. Il fait des invocations pour affermir le défunt.
car juste après l'enterrement, les deux anges viennent l'interroger. À ce moment-là, il a plus besoin des invocations, d'être raffermi dans ses propos et dans ses réponses, que de discuter de la pluie, du beau temps et des fleurs et autres, comme on voit dans beaucoup d'enterrements, comme chacun le sait. فنكتفي بهذا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين